chacun des exercices ci-dessous, on vous donne les coordonnées de 3 points. Par exemple, pour l'exercice 1, on vous dit donc 0, 7, 1, 14, moins 4, moins 1. Et on vous demande donc de répondre à chacune des questions. Donc, première question, vous mettez sous l'expression y égale à ax carré plus bx plus c. Ensuite, vous mettez sous l'autre forme, donc ax moins alpha au carré plus bêta, puis vous trouvez les coordonnées du sommet. Ensuite, vous allez indiquer les déplacements en démarrant de la fonction de référence y égale à x carré. Et puis, on vous propose une petite preuve de revenir dans l'autre sens. Voilà. Bonjour, cher quatrième. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener sur un lac. Alors sur ce lac, vous allez apercevoir en fait une ligne à haute tension en fait. Et cette ligne à haute tension, elle passe par trois points. Je vous donne les coordonnées de ces trois points. Et vous allez trouver l'expression de ce second degré en fait. Hein. Donc l'expression y égale ax carré plus bx plus c. Vous allez faire ça. Alors, donc vous pouvez regarder, hein. C'est vraiment. Le fil électrique ressemble à une parabole et vous allez chercher l'équation de cette parabole passant par les points A, B et C. Non, ça penche pas assez fort. Avant de résoudre ce problème-là, parce que ce n'est pas des chiffres très très simples, on va d'abord commencer par un peu s'échauffer. Donc un petit échauffement avec des petits exercices un peu plus faciles, comme ça après on pourra résoudre ce problème. Alors, comme premier exercice que je vous propose, vous avez chaque fois plein d'étapes ici, hein. Donc, connaissant trois points appartenant à une parabole, trouvez l'expression de la parabole. Ça, c'est le petit a. Alors, le petit 1, on vous dit que les points, eh bien, c'est 0,7, 0,7, 1, 14 et moins 4, moins 1. Donc, on sait que notre parabole passe par ces trois points et on doit chercher l'expression y égale à ax carré plus bx plus c. Alors en fait, on a combien d'inconnus ici? Eh bien, on a le a qu'on ne connaît pas, on a le b qu'on ne connaît pas et on a le c qu'on ne connaît pas. Donc en fait, on a trois inconnus. Ok? Est-ce qu'on va pouvoir trouver ça? Si vous vous rappelez les chapitres précédents, on avait vu une inconnue, une équation. Deux inconnus, deux équations. Ici, trois inconnus. Donc, on va devoir écrire trois équations. OK? Alors, on va commencer. Donc, vous faites une accolade, en fait, hein. Et on va commencer. Donc, pour chaque, on va écrire trois équations ici. Donc, on remplace y par la valeur de y. Donc, 7. Alors, x, on remplace par 0. Donc 0 carré 0, donc ça nous fait 0a. On remplace ici x par 0, ça nous fait donc 0b. Et c, donc on sait que le c égale 7. Deuxième équation, 14 égale, on remplace x par 1, d'accord? Donc ça nous fait 1 au carré, ça nous fait 1a, plus 1b, plus c. 7. Ok? Alors, troisième équation, on remplace y moins 1 égale à x moins 4. Alors, moins 4 au carré, ça nous fait 16. Donc, on a 16a. On remplace b, enfin x par moins 4, ça nous fait donc moins 4b plus c, donc plus 7. Ok? Alors, donc on sait que notre c égale à 7. Alors a plus b. A plus b. Bon, ben le 7, je le fais passer de l'autre côté. OK? Donc si le 7 passe de l'autre côté, il deviendra moins. Donc 14 moins 7, ça deviendra 7. Donc a plus b égale à 7. Alors ici, à côté, on peut écrire
16a moins 4b. Le 7, on le fait passer de l'autre côté aussi. Donc plus 7 devient moins 7, moins 1 moins 7, moins 8. OK? Alors, ici, on a deux inconnues et les deux dernières équations ici en dessous. Donc cette méthode, vous avez vu ça l'année passée en troisième, on va faire la substitution. Donc, substitution, on va donc remplacer ici par exemple, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc c égale à 7, on va isoler A par exemple. On isole A ici. Alors si on isole A, ça deviendra 7 moins B. Okay? 7 moins B. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a isolé A? On va venir le remplacer ici. Okay? Donc ça nous fait 16 fois A, 7 moins B. Moins 4b égale moins 8. Alors, c, ça ne change pas. A, ça ne change pas. Alors, 16, on va distribuer ici, hein, 16 fois 7. Donc, 10 fois 7, 70. 6 fois 7, 42. 70 plus 42, 112. Donc, ça nous fait 112 moins 16 fois moins b. 16b moins 4b égale à moins 8. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Les b, on peut les mettre ensemble. Donc, ça nous fait moins 16 moins 4 moins 20b. Alors, égale le 112, on le fait passer de l'autre côté. Donc, si on le fait passer de l'autre côté, il devient moins 112. Moins 8 moins 112, ça me fait moins 120. Moins 120. Donc, je peux isoler mon B. B tout seul, je vais faire passer mon moins 20 de l'autre côté. D'accord? Ça va devenir un divisé. Donc, moins 120 sur moins 20. Donc, mon B vaut 6. OK? Alors, C, on savait, il valait 7. Alors A maintenant, on fait 7 moins B, 7 moins 6, il vaut donc 1. Donc, on peut écrire maintenant cette forme-ci. On peut dire que ma parabole a pour équation y égale, alors A vaut 1, donc ça fait x carré, plus B, 6x, plus C, plus 7. Alors je peux encadrer cette réponse. OK? Donc cette parabole ici, x carré plus 6x plus 7, eh bien ces trois points appartiennent à cette parabole. OK? C'est bien. Je vois que vous bossez bien. Alors ça c'était le petit a. OK? On va maintenant faire le petit b. Pour passer de cette forme-là à cette forme-là, eh bien on va déjà faire ceci en fait. Alors, ce qu'on va se dire, hein, que ceci c'est, on fait le produit remarquable ici, hein. Donc le produit remarquable, vous voyez bien qu'on a comme un a moins b au carré, hein. Quand vous aviez a moins b au carré, vous vous rappelez que c'était a carré moins 2ab plus b carré. Donc ici, ça nous fait x carré moins 2 alpha x plus alpha carré plus bêta. OK? Alors maintenant, le a, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va le distribuer. Donc, y est égal à a x carré moins 2a alpha x plus a alpha carré plus bêta. Voilà. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il y a à remarquer? C'est que donc, le a, ça reste a. Donc le a égale à 1. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on a devant le x? Tout ceci, moins 2
A alpha, Eh bien, ce sera égal au B. Ok, donc on peut écrire que B égale moins 2 A alpha. Et alors le C, vous voyez à quoi c'est égal? Donc le terme indépendant ici, où on n'a pas de x, donc le C qui est là, eh bien ce sera A alpha au carré plus bêta. Donc A alpha au carré plus bêta. Donc ça, on peut le retenir, mais si on l'oublie, c'est pas grave. On redéveloppe en fait, hein. Donc on développe et comme ça on trouve ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Ok? Alors, c'est parti. Donc on va dire que A, dans ce cas-ci, A vaut 1. D'accord? Donc on écrit A égale à 1. Notre B moins 2 A alpha. Eh bien, c'est égal B à 6. Et notre C, A alpha au carré plus bêta, ok, c'est égal à quoi? 7. Ok. Alors, à vous à trouver donc alpha et bêta. Parce que donc, ce qu'on cherchait en fait, hein, nos inconnus, qu'est-ce que c'était? Nos inconnus qu'on avait ici, c'est alpha et bêta. Donc dans la question qu'on nous demande, quand on veut passer de cette forme-là à cette forme-là, ici on a deux inconnus. C'est ces deux, enfin on a A aussi ici. Donc on a trois inconnus, c'est celle-là qu'on doit trouver. Ok, donc on va chercher que vaut alpha et que vaut bêta. Alors c'est parti. Alors A on remplace par 1. Donc ça nous fait moins 2 alpha égale à 6. A, on remplace par 1. Alpha carré plus bêta égale à 7. Alors, donc A vaut 1. Alpha, pour qu'il soit tout seul, c'est fois moins 2, hein. Donc quand ça passe de l'autre côté, ça devient divisé par moins 2. 6 divisé par moins 2. Ça fait moins 3. On peut remplacer alpha par moins 3 maintenant. Moins 3 au carré, ça nous fait 9. Donc 9 plus bêta égale à 7. Donc bêta est égal à 7 moins 9. Okay? 9 passe de l'autre côté ici, hein? Donc ça fait moins 2. Donc bêta vaut moins 2. Alpha vaut moins 3 et A vaut 1. Eh bien, avec ceci, on peut donc l'écrire sous la forme qu'on nous a demandé. Donc, on vient juste remplacer ici. Donc, la parabole, A pour équation, A, ça vaut 1, x moins alpha. Alors, ça nous fait moins alpha moins 3 au carré plus bêta, donc plus moins 2. On peut écrire ceci comme ça. La parabole a pour équation y égale à x plus 3 au carré moins 2. Et on encadre notre réponse finale. Hop. Hop. Ça va, vous suivez là? C'est quand même cool hein, d'aller ici quoi. Ça fait du bien d'une fois sortir. Il y a un peu de vent, donc vous pouvez mettre votre veste, hein, que ça souffle. Ah, bon, on va passer au petit C, donc donner les coordonnées du sommet de deux façons différentes. Alors, le sommet, eh bien, première façon, le sommet, c'est tout simplement alpha et bêta. Donc, alpha, on l'a déjà trouvé. Ça vaut moins 3.
Et bêta, ben on l'a déjà trouvé aussi, ça vaut au moins 2. Donc ça, c'est notre sommet. Maintenant, il y a une autre façon de chercher le sommet. Il y a la formule moins b sur 2a moins delta sur 4a. Alors là, vous reprenez la fonction qu'on avait au début, hein. Donc la fonction qu'on avait au début, c'était x carré plus 6x plus 7. Donc, automatiquement, a vaut 1, b vaut 6 et c vaut 7. Hein. Ok, alors on va voir que ça donne bien la même chose. Donc, moins b, ça fait donc moins 6 sur 2a sur 2. Alors, delta b carré moins 4ac. Donc, b carré 6 au carré, ça fait donc 36. Moins 4 fois a, 1. Fois c, 7. Hein. Alors, 36 moins 28, ça nous fait 36 moins 28, ça nous fait 8. Donc, moins 8 sur 4a. 4a, 4 fois 1, ce qui nous fait 4. Donc, on trouve bien moins 3 et moins 2. On a bien les mêmes coordonnées pour le sommet. OK? Alors, petit d. Qu'est-ce qu'on nous demande? Va s'endormir là-bas dans le fond là. Allez, au boulot. Donc, expliquer les déplacements depuis la fonction y égale à x carré. Alors, ça revient, on a vu le chapitre les déplacements. Vous vous souvenez? Translation horizontale, c'était comme ça hein, qu'on faisait tout ça au parc. Translation verticale, on montait, on descendait. Qu'est-ce qu'on avait encore? Compression, étirement vertical. Donc, compression, étirement vertical, c'était... Ou bien... Vous vous souvenez tout ça hein? Si vous ne savez plus, les formules réapparaîtront. Je vous dis, moi je vous conseille de le mimer, de le faire dans votre corps. Comme ça, vous oublierez beaucoup moins vite. Donc, on démarre de la fonction y égale à x carré. Alors, première étape, qu'est-ce qui se passe? X plus 3 au carré. Ok? Donc, on arrive à ici. X plus 3 au carré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour passer de là à là? Vous vous souvenez quelle formule? Ça, c'est le cas. Hein? Donc, c'était la formule f de x plus k. Hein? Vous vous rappelez? Et ça, cette formule, c'était quoi? Translation horizontale. Alors, la translation horizontale était opposée à k. Vous vous rappelez? Donc, si j'ai un plus 3, ça veut dire que je vais faire une translation horizontale de moins 3 vers la gauche. Ok? Ensuite, dernière étape, x plus 3 au carré moins 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour passer de là à là? C'était la formule f de x plus k. Et ça, c'était étirement. Non, c'était pas étirement. C'était translation verticale vers le haut ou translation verticale vers le bas. Vous vous rappelez? Translation verticale vers le haut, translation verticale vers le bas. Et c'était dans le sens de k. Donc ici, on a bien une translation verticale vers le bas de moins 2. Ok? Alors, pour faire un petit dessin de ça, hops. Ops. Alors, au départ, x, y égale à x carré, ben c'était donc cette fonction-ci. Translation, moins 3 vers la gauche. Donc, le centre qui était ici en 0, 0, il se déplace de 3 par là. Donc, ça nous donne quelque chose comme ceci, comme cela.
Ensuite, on descend de moins 2. Donc ici, notre sommet descend de moins 2. Donc voilà, ici, moins 3, moins 2, le sommet. Et voilà, donc on a esquissé le graphique. D'accord? Pour terminer, donc le petit E, on vous demande donc pour de vérifier votre réponse. Et donc, on vous demande de repasser de cette forme-ci à cette forme-là pour voir si on n'a pas fait de faute. Donc, en fait, vous prenez... on va faire ça comme ça. Oups. Petit E. Donc, Y égale à X plus 3 au carré moins 2. Alors, simplement, ben, vous pensez à votre produit remarquable. Vous faites votre produit remarquable. Donc, ça vous fait X carré plus 6X plus 9 moins 2. Donc, ça vous fait X carré plus 6X plus 7. Est-ce que c'est bien ce qu'on avait? Effectivement, c'est tout à fait bien ce qu'on avait, donc c'est juste. Ok, donc on est revenu dans l'autre sens. Ok, voilà, donc on a fini donc notre premier exercice. Exercice 2, donc on est juste devant du drill. Hein. On fait juste. On suit là-bas. Allez, par ici là. C'est pas encore la pause. Alors, donc 0,5. Donc nos 3 points. 0,5, 1, 2 et 5, 10. Voilà. Donc, on doit chercher petit a, donc l'équation de la parabole qui passe par ces 3 points. Vous vous souvenez, donc une parabole, c'était ax carré plus bx plus c. Donc ce qu'on avait besoin, c'était de nos 3 inconnus, a, b et c. Comme on a 3 inconnus, il nous faut 3 équations. Donc on fait ici notre système. Alors, y, 5, égale x, 0, 0 au carré, ça fait 0. Hein. Donc 0 plus 0 plus c, 2 égale, alors 1 au carré, ça fait 1a plus b plus c. C, on sait qu'il vaut 5, d'accord? Donc plus 5. 10, 10 égale, alors on remplace x par 5. 5 au carré, ça nous fait 25. Donc ça nous fait 25a plus x par 5, donc ça nous fait 5b, plus 5 pour notre c. Donc, c vaut 5, a plus b, égale, le 5, on le fait passer de l'autre côté, 2 moins 5, ça nous fait moins 3. Alors, 25a plus 5b, notre 5 passe de l'autre côté, 10 moins 5, ça nous fait 5. Ah, c'est gay comme ça, on est sur des rails ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on va isoler A. Hein. Donc, deux inconnus, deux équations. Vous avez vu ça en troisième. Substitution. A ici. A est égal à quoi? Eh bien, est égal à moins 3, moins B. D'accord? Donc, on va venir remplacer ici notre A par moins 3, moins B. Hops. Alors, A moins 3 moins B, c'est 5. Alors, 25 fois moins 3 moins B plus 5B vaut 5. On distribue. 25 fois moins 3 moins 75. 25 fois moins B moins 25B plus 5B. Égale à 5. Alors, accolade suivante. Moins 25b plus 5b, ça nous fait moins 20b. Moins 20b. Alors, le 75, on le fait passer de l'autre côté, ça devient plus. Donc 5 plus 75
On suit là? Allez, au galop ici. 80. Moi, je vais vous apprendre à bosser ici. 80. Donc, B égale 80 divisé par moins 20, ce qui nous fait moins 4. Alors, A moins 3 moins B, donc moins 3 moins moins 4, ça fait donc moins 3 plus 4. Ça fait 1, ça fait B. Donc A vaut 1 et C vaut 5. Donc notre parabole a pour équation y égale x au carré moins 4x plus 5. On encadre la réponse. Ça, c'était le petit a. Ah, je regarde un peu ce lac. Ah, magnifique. Ah, ça fait du bien. Ce petit vent, ce petit air là, c'est... Petit b, on veut le mettre sous la forme a x moins alpha au carré plus bêta. Donc on a donc trois inconnus, a, alpha et bêta. Il nous faut donc trois équations. Alors on a développé là tantôt pour trouver. Souvenez-vous, ce qu'on avait trouvé, c'était donc que a valait a, que b c'était moins 2a alpha et que c c'était a alpha au carré plus bêta. Donc voilà, vous avez donc toute la démonstration qui revient ici, vous avez le panneau. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? A vaut combien? A vaut 1. Moins 2 A alpha pour B vaut moins 4. Et A alpha au carré plus bêta vaut 5. Donc, on remplace A par 1. Moins 2 alpha égale à moins 4. Alpha carré plus bêta égale à 5. Alors, que vaut alpha? Moins 2, c'est un fois qui est ici. Donc quand le moins 2 passe de l'autre côté, il passe en division. Donc alpha égale à moins 4 divisé par moins 2. Donc alpha vaut 2. Et alors ici, alpha carré, si on remplace donc 2 au carré, ça nous fait 4. 4 plus bêta égale à 5. Donc moi je cherche bêta, je l'isole. 4 passe de l'autre côté, il devient moins 5 moins 4, 1. Donc, ma parabole a pour équation A vaut 1, x moins alpha moins 2 au carré plus bêta plus 1. Le 1 ici, on n'est pas obligé de le mettre. D'accord? C'est totalement neutre. Hop. On encadre notre réponse finale. Hop! Et on est content. Ok? Et on est content. J'aime bien la nature. C'est cool. Cool. Alors, on va faire le C. C, on va chercher donc le sommet. Alors, le sommet. Donc, le sommet, il y avait deux façons de calculer le sommet. C'était alpha et bêta. Alors, alpha, tout simplement, ben on sait que notre sommet, ce sera 2, 1. On peut le faire par l'autre méthode. L'autre méthode, vous vous souvenez des formules, hein? C'était moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Donc, moins b sur 2a, ça me fait moins moins 4, ça me fait 4. 4 sur 2. Et alors, delta, que vaut delta ici?
On peut faire un petit calcul de delta. B carré moins 4 fois A fois C. Donc ça nous fait 16 moins 20. Donc delta vaut moins 4. Donc moins delta, ça me fait moins moins 4. Ça me fait plus 4 sur 4A sur 4. Donc ça me fait 2 et 1. Deux façons différentes de calculer le sommet. Dis, tu veux bien me ranger ce GSM? Deux fois déjà. Dans ton cartable, tu me coupes ça. Merci. Petit dé, donc. Les transformations hein, qui s'est passé depuis, donc, y égale à x carré. Donc, l'étape suivante, c'est x moins 2 au carré. X moins 2 au carré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour aller de là à là? Vous pensez donc à la formule f de x plus k. Donc, le plus k agit sur le x. Hein. C'est x plus k, chapitre qu'on avait vu auparavant. Donc, translation horizontale opposée à k. D'accord? Donc, k vaut moins 2. Donc, ce qui va se passer, c'est un plus 2 vers la droite. Donc, translation horizontale, plus 2 vers la droite. Dernière étape. X moins 2 au carré, plus 1. Alors, plus 1, f de x, le k agit à l'extérieur. Vous vous souvenez? Translation verticale vers le haut, translation verticale vers le bas. Alors, c'était 2k, donc c'est bien vers le haut de plus 1. Au niveau du graphique, vous avez y égale à x carré. Translation vers la droite de plus 2, donc votre sommet qui est ici, il passe ici, quelque chose comme ça. On esquisse, hein. Plus 1, on grimpe de plus 1, hop, hop, donc voilà, ici j'ai mon sommet qu'on avait trouvé là tantôt en 2, 1, ok, donc ceci, 2, 1, voilà. Petite preuve finale, on nous demande de faire toujours un petit E, donc revenir. Donc on va revenir de ceci pour voir si on retrouve bien ce qu'on avait au début. Donc x moins 2 au carré plus 1. Alors produit remarquable, x carré moins 4x plus 4 plus 1. Donc x carré moins 4x plus 5. C'est bien ce qu'on avait au début. Ok. Alors, voilà, notre exercice 2 est terminé. C'est compliqué, tu sais. Compliqué. Ouais, ouais. Trop loin. Ouais. S'il y avait une troisième dimension, mais sur un papier, c'est... On passe par les points 0, 0, 1, 2. Et... moins 2, 32. Donc, on veut une équation sous la forme ax carré plus bx plus c. On a donc trois inconnus, a, b et c. On va donc écrire nos accolades avec nos trois systèmes. Donc, 0 égale 0 plus 0 plus C, tiens, C vaut déjà 0 ici. C'est pas comme avant, mais voilà. 2 égale A plus B plus 0. Donc on n'est pas obligé de l'écrire. Ok? 32 égale moins 2 au carré, moins 2 au carré, 4, ce qui me fait 4A. Moins 2b et le 0, donc on n'a pas besoin de l'écrire non plus. Donc, c'est vos 0.
Deux équations, deux inconnues. Comme en troisième, substitution. J'isole A. Que vaut A? A vaut 2 moins B. Je remplace ici mon A. 32 égale à 4 fois A. 2 moins B. Moins 2B. Vous suivez? On va mettre un rythme ici, hein, une cadence. Alors, je vais distribuer mon 4. 32 égale 4 fois 2, 8. 4 fois moins B, moins 4B, moins 2B. Nouvelle accolade. Moins 4B, moins 2B, ça me fait moins 6B. Donc 32 est égal à 8, moins 6B. Ce que je cherche, c'est mon B, d'accord? Je vais l'isoler. Donc, je l'isole ici. Si je le fais passer là-bas, je peux dire... Oh bien, je peux laisser ici comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais le faire passer là-bas. Donc, ça me fait 6B. 6B égale à 8 moins 32. 8 moins 32. Donc, B, alors 8 moins 32, ça me fait moins 24. Alors, comme je veux mon B tout seul, mon 6, il passe en division. Donc, mon B vaut moins 4 sur, moins 24 sur 6, ça me fait moins 4. B vaut moins 4. Alors, C, il valait 0. Et A, qu'est-ce qu'il vaut? 2 moins B. Donc 2 moins moins 4. Donc ça me fait 2 plus 4, ça me fait 6. Voilà. Donc je peux écrire l'équation de ma parabole. Ma parabole a pour équation y vaut 6x carré moins 4x. Je peux encadrer ma réponse finale. Ok, j'ai fini mon petit A. Ça va derrière, ça va? Ah. Je vois que ça commence à rentrer. Hein. On va bientôt y aller. Hein. Ah. Je veux passer à la forme. Y égale à A. X moins alpha au carré plus bêta. Alors je vais pas redévelopper tout le machin. Vous savez en tout cas que A ce sera A. B on avait vu que c'était moins 2 A alpha. Et C c'était A alpha carré plus bêta. Ok. Donc on fait notre accolade. A. A vaut combien? A vaut 6. B. Donc, moins 2A alpha, ça vaut B. Mon B vaut moins 4. A alpha carré plus bêta égale à 0. Parce que j'ai pas de C. OK? Donc, hop, A vaut 6. On remplace moins 2 fois 6. Moins 2 fois 6, ça me fait moins 12 alpha égale à moins 4. Donc alpha, ça me fait moins 4 sur moins 12. Donc alpha vaut 1 tiers. On arrive à des fractions, on s'en inquiète pas, c'est normal. Alors, A, ça me fait 6. Alpha au carré, 1 tiers au carré. Plus bêta égale à 0. 1 tiers au carré, 1 neuvième. 6 fois 1 neuvième, ben ça me fait 6 neuvièmes. 6 neuvièmes plus bêta égale à 0. Donc bêta vaut moins 6 neuvièmes. Alors, petite vérification. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Alors, est-ce que je peux simplifier moins 6 neuvièmes? Oui, je peux le simplifier. Donc, réponse finale.
A vaut 6, alpha vaut 1 tiers et bêta vaut moins 2 tiers. Donc je peux écrire que ma parabole a pour équation y égale 6, x moins alpha au carré plus bêta. Et j'encadre ma réponse finale. Sommet. Alors, mon sommet, quelles sont les coordonnées de mon sommet? Grâce à cette formule, on le voit directement. 1 tiers moins 2 tiers. Si on prend l'autre méthode, donc moins b sur 2a moins delta sur 4a, on va le faire. Moins b sur 2a, donc ça me fait 4. 4 sur 12, 4 sur 12, ça me fait bien 1 tiers. Alors, delta, b carré, moins 4 au carré, 16, moins 4 fois 1 fois 0, donc ça me fait 16, puisque le 0 absorbe tout. Ok ? Donc, ça me fait moins 16 sur 4a, 4 fois 6, 4 fois 6, 24. Alors, comment est-ce que je peux simplifier ça? 16, 24, ça me fait 8, 12, ça me fait 4, 6, ça me fait 2 tiers, je laisse pour au moins, ça me fait bien moins 2 tiers. C'est tout à fait juste. J'accélère, là, hein? Petit dé, on va donc démarrer y égale à x carré. Première étape, x moins 1 tiers au carré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme déplacement? Vous reconnaissez, translation horizontale. Ok. Opposé à k, donc moins 1 tiers, je fais plus 1 tiers. Donc, hops, plus 1 tiers. Translation horizontale vers la droite. Étape suivante, 6. Il n'y avait pas ça avant, des 6 ici. Hein. X moins 1 tiers au carré. Alors, ce 6, ça va être la formule k fois fx. Vous devez connaître ces formules. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand c'est k fois fx? C'est au niveau des ordonnées qu'il y a un changement. Donc, c'était étirement vertical. Ou bien compression verticale. Comme ça. On peut même le faire avec les lunettes. Ok? Comme ça. Ok? Alors. Ici, donc, j'ai x6 au niveau de mes ordonnées. Donc, j'ai x6 aux ordonnées. Alors, si je multiplie toutes mes ordonnées par 6, qu'est-ce qui se passe? Étirement vertical. OK? Étirement vertical. Voilà. Dernière étape. 6x moins 1 tiers au carré. J'ai moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Vous savez ce qui se passe par là. C'était donc étirement vertical vers le haut. Non, pas étirement, translation. Hein. Translation verticale vers le haut. Translation verticale vers le bas. Ok. 2k, donc je descends verticalement. Je descends de moins 2 tiers. Je veux représenter ça sur un graphique. X carré, ma simple parabole. Translation d'un tiers vers la droite. Mon sommet se déplace. Hop, hop, mon sommet est maintenant ici. Mes ordonnées sont multipliées par 6. Étirement vertical. Donc ça va vraiment... Ok. Ensuite, je descends tout ça de moins 2 tiers. Donc je descends ici de moins 2 tiers. Et je trouve quelque chose comme ça. Chut. Chut. Je peux bien voir ici les coordonnées de mon sommet. 1 tiers moins 2 tiers. 1 tiers moins 2 tiers. Dernière étape, je peux faire ma petite preuve. A, B, C, D, je passe au E. Au E, je reviens dans l'autre sens. Hein.
Donc 6 x moins 1 tiers au carré moins 2 tiers. Je vérifie, est-ce que je vais bien retrouver ce que j'avais au début? Je fais mon produit remarquable. X carré moins 2 fois 1 tiers, donc moins 2 tiers x plus 1 neuvième moins 2 tiers. Je distribue mon 6. 6x carré moins 12 tiers. 12 tiers, ça fait 4. Moins 4x. 6 fois 1 neuvième plus 6 neuvièmes. Moins 2 tiers. Mettre au même dénominateur, ça me fait 6 neuvièmes moins 6 neuvièmes. Ça fait bien 0. Je retrouve bien ce que j'avais au début. 6x carré moins 4x. Je suis content. Je vais maintenant pouvoir attaquer mes hautes tensions, là, mon filet haute tension. On a fini le drill, on est prêt. Ouais, ouais, ouais. C'est parti. Oui, oui, oui. Ça y est, on y est. Super, quoi. Donc on va maintenant, on a nos trois points là, et on va donc trouver l'équation de notre fil à haute tension. Ok? Donc on y est. C'est ça qu'on voulait en arriver. Ici, les calculs vont être un peu plus durs, je vous le dis. Mais c'est pas si grave, ok? On va y arriver, parce qu'on est des meilleurs, c'est tout. Vous êtes les meilleurs, et moi aussi d'ailleurs, on est tous les meilleurs ici. Ok? C'est ça qu'il faut se dire. On est les meilleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que mes points? Alors, donc, j'ai le point 0, moins 2. J'ai le point moins 5, moins 1. Et j'ai le point 10, 1. Alors, faut trouver donc l'équation de notre parabole. Alors, c'est parti. Hein, donc, on veut donc ax² plus bx plus c. Alors, on fait notre première accolade. Donc, moins 2 égale 0 carré. Donc, il n'y a pas de a, il n'y a pas de... Enfin, ici, là, on remplace par 0, il n'y a pas de b. Plus c. Alors, moins 1, moins 5 au carré, moins 5 au carré, 25. Donc, 25A moins 5B plus C, C vaut moins 2, d'accord? Donc, on peut mettre moins 2. Alors, 1 égale 10 au carré, ça me fait 100A. 100A plus 10B, alors plus C, moins 2. On suit là-bas derrière? Ok, alors, accolade, C égale à moins 2. Alors, 25A moins 5B, donc 25A moins 5B. Le moins 2, je le fais passer de l'autre côté, ça devient plus 2. Donc, moins 1 plus 2, 1. Ici, 100A plus 10B, 100A plus 10B. Égale moins 2, je le fais passer de l'autre côté, il devient plus 2, 1 plus 2, 3. Donc, je vais isoler mon A ici. Donc, A vaudra quoi? 1 plus 5B, le tout divisé par 25. D'accord? Je vais remplacer dans l'autre ici. 100 fois 1 plus 5b divisé par 25 plus 10b égale à 3. Est-ce qu'il y a des choses que je peux simplifier? Multiplication de fractions, je peux simplifier 25 avec 100. Ok, ça me fait 4 et ici 1. Donc je distribue mon 4. 4 fois 1. 4 fois 1, ça me fait 4. 4 fois 5b, ça me fait 20b. 4 plus 20b, plus 10b, égale à 3. Accolade suivante, mes b, je peux les mettre ensemble. 20b plus 10b, 30b. 30b, égale à 3. Le 4, je le fais passer de l'autre côté. 3 moins 4, ça me fait moins 1. Donc, B égale à moins 1 trentième. D'accord? C'est normal, hein, j'ai des fractions.
C'est normal, on n'a pas fait de faute. Alors C, c'était moins 2. Et A, alors A, qu'est-ce qu'il va valoir? Je viens donc remplacer ici 1 plus 5 fois B, donc moins 1 sur 30, le tout sur 25. Alors 5 fois moins 1 sur 30, je peux simplifier mon 5 et mon 30, ce qui me fait 6 et 1. Donc ça me fait 1 moins 1 sixième. Je vais m'écrire ici, hein. 1 moins 1 sixième, 1 moins 1 sixième sur 25. Alors je vais tout mettre en sixième. 6 sixième moins 1 sixième, ça va me faire 5 sixièmes. 5 sixièmes divisé par 25. Alors 5 sixièmes fois 1 25e, hein, divisé par 25, ça fait fois 1 25e. Je peux simplifier mon 5 et mon 25. 1 et 5, ça me fait 1 30e. Donc A vaut 1 30e. Parabole. Y égale x carré sur 30 moins x sur 30 moins 2. J'encadre ma réponse finale. Concentration hein, ici et persévérance pour arriver à ça. Hein. Ouh. Sous l'autre forme, donc je veux l'écrire sous la forme x moins alpha au carré plus bêta. Je dois chercher a, alpha et bêta. Alors on connaît maintenant les formules. Hein. Donc a vaut 1 trentième. Moins 2a alpha vaut moins 1 trentième. Et a alpha carré plus bêta vaut moins 2. Alors je remplace a, donc a ça change pas. Je remplace ici par a, donc ça me fait moins 2 fois 1 sur 30 fois alpha égale à moins 1 trentième. Alors 2 fois 1 trentième, moins 2 fois 1 trentième, je peux simplifier 2 et 30, ça me fait 1 et 15. Donc ça fait... Ouf. En tout cas, donc moins 2 trentième alpha égale moins 1 trentième. Alors, alpha, je veux l'isoler, je fais passer ça de l'autre côté. Ça me fait moins 1 trentième divisé par moins 2 trentième. Alors, divisé par moins 2 trentième, c'est comme faire fois l'inverse, hein. Donc, c'est comme si je fais... c'est comme si je fais moins 1 trentième. On suit là-bas derrière, hein. Moins 1 trentième fois 30 sur moins 2. Donc, je peux simplifier mes 30. Ça me fait 1 demi. Donc, alpha vaut 1 demi. A, c'était 1 trentième. Alors, je peux venir remplacer ici. A, 1 trentième, fois alpha, 1 demi au carré, plus bêta vaut moins 2, donc 1 demi au carré, ça fait 1 quart. 1 trentième fois 1 quart, ça fait 1 120e. 1 120e plus bêta égale à moins 2. Donc bêta vaut moins 2, moins 1 120e. On va mettre ça au même dénominateur. Moins 2, ça me fait donc moins 240 120e moins 1 120e. Donc ça me fait moins 241 120e. Donc je peux écrire que ma parabole a pour équation y égale 1 trentième fois x moins 1 demi au carré moins 241 120e. Yes quoi. Yes.
Oups. Ok. Petit c, cherche mon sommet. Donc mon sommet. Mon sommet alpha bêta. Donc mon sommet, ça me fait alpha vaut bien 1 demi et bêta vaut bien moins 241 120e. On y est à ce câble, hein? On va faire encore les petits déplacements là. Yes quoi. Heureusement qu'on peut aller marcher après au bord du lac, hein, parce qu'il faut un peu se prendre l'air. Hein. Pour les déplacements, donc on démarrait de x carré. Étape suivante, donc x moins 1 demi au carré. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Translation horizontale opposée à k, hein, d'accord? Donc translation horizontale vers la droite de plus 1 demi. Ensuite, 6, non, 1 trentième, je vais l'exercice précédent moi. 1 trentième x moins 1 demi au carré. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Étirement ou bien compression verticale. Je multiplie mes ordonnées par 1 trentième. Donc fois 1 trentième aux ordonnées. Alors, fois 1 trentième aux ordonnées, c'est comme diviser par 30. Si je divise toutes mes ordonnées par 30, compression verticale. C'est ça qui va se passer. Compression verticale. Ensuite, 1 trentième x moins 1 demi carré moins 241 sur 120, et bien ça, translation verticale vers le bas. Je descends tout simplement. Donc translation verticale vers le bas de moins 241 120e. Si je représente ça sur un graphique, ma fonction y égale à x carré, elle est là. Ma translation 1 demi vers la droite, mon sommet va se retrouver ici. Fois 1 trentième au niveau de mes ordonnées. Alors là, ce qui va se passer, tout ceci, chaque fois, on va le diviser par 30. Donc on va se ramasser avec un truc comme ça, en fait. Et c'est là qu'on approche notre câble. Parce que le câble, il n'est pas très très courbé comme ça, notre ligne haute tension. Il est vraiment comme ça. Il est très ouvert. Donc vous voyez, là ça ressemble plus à notre câble, tout ce machin-ci. Il n'y a plus qu'à descendre de 2. Donc on se retrouve quelque chose comme ça. Avec ici notre sommet en 1 demi moins 241 120e qui est là. Ok, je vous laisse la preuve là, hein. Je vous laisse la faire vous-même, hein, la preuve. Et moi j'ai assez bossé pour aujourd'hui. Hein. Et c'est bon là, on va aller regarder. Yes quoi, on a trouvé notre câble haute tension. Attention, j'ai entendu qu'il faut pas commencer à marcher avec des bâtons trop haut parce que parfois même sans toucher le câble, donc si on est à quelques mètres de la ligne haute tension, eh bien l'air peut devenir conducteur. Tellement qu'il y a des volts là-dedans. Donc il y a déjà eu des accidents comme ça. Hein. Et c'est plus qu'un petit tas de cendres après. Hein. Faut pas déconner quand même. Ben, on peut aller nager tranquille. Non, ça fait des années que tout le monde nage dans ce lac. Le câble n'a jamais cassé, heureusement d'ailleurs. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et maintenant, on peut aller prendre l'air, faire une petite balade au bord du lac. Et puis, bonne chance pour le devoir. Hein. Ciao! Devoir. Donc on vous donne de nouveau des exercices avec chaque fois 3 points pour trouver donc l'équation de la parabole, etc. Ici, vous pouvez obtenir une concavité vers le bas. On n'avait pas encore vu ça. Donc au niveau des déplacements, il peut y avoir une symétrie orthogonale d'axe X. Voilà. Bon travail.